Donc, vous allez recevoir la glacière comme ça, chez vous, elle est amenacée. Vous avez juste cette pochette-là qui est à l'extérieur. Cette pochette va vous permettre d'ouvrir la glacière. De toute façon, il n'y a rien d'autre pour l'ouvrir. Donc, dedans, vous allez trouver un article du Monde et un document pour le maître du jeu. Parmi les joueurs, quelqu'un sera désigné maître du jeu. Ce maître du jeu aura accès à un QR code qui lui donnera accès à des indices et à des solutions si jamais vous êtes coincé. Ça permettra de rythmer la soirée comme vous voulez et si vous êtes coincé, de ne pas rester coincé trop longtemps. Donc celle-là sera confidentielle pour la personne qui sera désignée maître du jeu. Ensuite, en lisant l'article du Monde, vous allez réussir à trouver le code pour ouvrir le cadenas qui va vous permettre d'ouvrir déjà la glacière. Alors, je vais ouvrir la glacière, donc sans vous spoiler le jeu. La glacière est ouverte. Une fois la glacière ouverte, dedans, tout est encore cadenassé. Donc vous avez quelques produits en libre service. Par exemple, là on a des chips, vous pouvez mettre du pain. Après ça, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez en libre accès. Je vais tout vous sortir et comme ça, vous vous rendrez compte. Donc on a une bouteille dans un casse-tête. Là, c'est une bière blanche, vous mettez évidemment ce que vous voulez. Une petite boîte fermée, une planche à découper. Des gobelets avec des cartes de visite. Là, c'est une bouteille de blanc de Savoie. Après, vous mettrez en fonction de là où vous habitez. Une boîte transparente à code et une grosse mallette. Voilà, la glacière est maintenant vide. Ça, on s'en est servi au début. On peut le mettre de côté, les chips également. Donc là, j'ai tout devant moi. Pour pouvoir commencer, j'ai à part les gobelets, le casse-tête bouteille, les cartes de visite et ce tract, je n'ai rien. Donc avec les cartes de visite et tout ce que vous avez en votre possession pour le moment, vous allez pouvoir ouvrir cette grosse mallette. Donc je ne vous donne pas les codes. Alors, j'ai pu ouvrir la mallette grâce aux différents indices qui étaient en libre accès dans la glacière. Dans cette mallette, vous avez alors, bon, un opinel, un décapsuleur. Là, c'est une mallette, c'est une glacière qui est prête à jouer. Donc, vous avez une bière, etc. Mais surtout, vous avez ce nouveau digicoffre que vous allez pouvoir ouvrir grâce à des nouveaux indices que vous allez obtenir. Donc moi, je vous fais le code. Hop. Donc là, pareil, dans ce digicoffre, là, vous avez un livre, Comment survivre à une énorme gueule de bois, un mot chinois, une lampe UV dont il faudra se servir, et un tract du flap. Donc voilà pour cette boîte-là. Grâce à tout ce que vous allez ouvrir, donc là c'est un casse-tête bouteille, donc vous allez vous casser la tête, mais grâce à ce casse-tête, vous allez pouvoir ouvrir cette petite boîte qui est ici. Je ne vous fais pas le casse-tête, j'ai une clé de secours. Hop. Et dedans, vous pouvez mettre une terrine, du fromage, du saucisson, ce que vous voulez. Vous avez des petits autocollants. Alors, grâce au livre, au mot chinois, à la lampe UV et avec les autocollants que vous allez trouver, vous allez pouvoir ouvrir la boîte finale. Donc, dans cette boîte finale, nous on met tout le sucré dedans, mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans. Et avant cette boîte, vous avez cette bouteille qui est enfermée par un cadenas bouteille. Et pour l'ouvrir, il va falloir être attentif à la bouteille. Voilà, vous aurez réussi à ouvrir toute la glacière, à déguster l'apéro. La partie peut prendre entre 1h30 et 2h30, tout dépend du maître du jeu, de votre habitude à jouer des escapes, de votre agilité à la réflexion, etc.
et je vous souhaite un bon apéro.